Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre hors du commun. Et ce soir, c'est une rencontre très très hors du commun, car nous avons le plaisir d'accueillir Mauro Biglino. Bonsoir Mauro. Bonsoir à tous et merci. Et pour nous accompagner, car vous avez bien compris que je ne parle malheureusement pas la langue de Dante, nous avons Catherine qui va nous aider à faire la traduction. Bonsoir Catherine. Bonsoir à vous. Et puis, bien entendu, Silvano aussi va m'accompagner dans cet entretien avec Mauro. Salut Silvano. Ciao a tutti. Alors, numéro exceptionnel ce soir, car nous recevons Monsieur Mauro Biglino. Et on va essayer avec lui de comprendre un petit peu tout ce cheminement qui lui a permis un jour de traduire la Bible d'une façon différente et d'ouvrir les yeux sur un monde qui n'est pas tout à fait celui qu'on avait appris dans les textes, on va dire, chrétiens initiaux. Allora, questa sera dunque in questo contesto si cercherà prima di tutto di capire in che modo Mauro Biglino ha fatto questo percorso verso la traduzione dei testi biblici, che in effetti non è una traduzione che somiglia a tutto quello che ci è stato insegnato su questo tema. Et du coup, ma première question, Mauro, c'est tout simplement... Comment est-ce que toute cette histoire a commencé? Je suppose que tu as fait des études pour pouvoir en philologie, c'est ça? Voilà, à la base, par quoi est-ce que tu as commencé? Praticamente, come hai iniziato? Quali sono stati i tuoi studi filologici, eccetera? Come hai cominciato? Beh, molto sinteticamente. Dopo gli studi classici, durante i quali ovviamente ho studiato il latino e il greco, e ho deciso ad un certo punto di avvicinarmi alla lingua nella quale sono scritti i testi fondamentali della religione nella quale sono stato educato, e ho studiato l'ebraico con un insegnante della comunità ebraica di Torino. Alors, il a fait des études très classiques, mais en étudiant le latin et le grec. Et ensuite, il a voulu étudier les anciens textes et il s'est rapproché, évidemment, pour apprendre la langue hébraïque. Et donc, tu as une fois que tu as fait ton cursus universitaire, d'ailleurs, tu as quel niveau comment ça s'appelle en Italie? Tu es professeur, tu es chercheur, quel grade tu as officiellement? Ufficialmente, qual è il tuo grado universitario? Ufficialmente io sono un curioso, nel senso che io ho fatto il liceo classico, poi ho interrotto gli studi e ho continuato sempre da solo. Alors lui, son grade, c'est curieux, d'accord? C'est-à-dire qu'il a fait le lycée classique, le cursus classique, et ensuite il a appris tout seul parce que c'est quelqu'un qui veut apprendre et qui est curieux de nature. Ah, tu es autodidacte, c'est impressionnant. Quindi sei un autodidatta. Sì, poi ovviamente la valutazione delle mie conoscenze dell'ebraico, del greco e del latino alla casa editrice Edizioni San Paolo, che è la più importante editrice cattolica italiana, una delle più importanti d'Europa. E lì hanno valutato il mio grado di preparazione. Allora, son évaluation pour connaître son niveau a été fait dans les langues grecques, latines et hébreux par la société d'édition San Paolo, qui est la première société d'édition du Vatican, et c'est là qu'il a eu ses évaluations. Mais moi, je voulais te demander un peu, Mauro, pour que les Français te connaissent un petit peu mieux, vu qu'on sait tous que tu as traduit la plus vieille Bible maçonnique au monde. Mais avant, quels sont les ouvrages que tu as traduits et s'il y a des choses qui clochaient dans ces traductions, déjà, que tu avais remarquées? Quindi sappiamo già in Francia che hai tradotto la Bibbia masoretica, però voleva sapere anche che cosa hai fatto prima, che cosa hai scritto prima.
tradotto. No, prima io ho scritto un libro su Chiesa e Massoneria e ho scritto un libro su Resurrezione e Reincarnazione, che è un'analisi appunto di queste due dottrine, quella cattolica e quella orientale. Quindi prima avevo scritto questi due libri per il tema nostro, però prima ancora io ho lavorato per molte case editrici italiane dove producevo sistemi di comunicazione multimediale. Ah sì? Allora, avant, il a écrit plusieurs livres sur les relations entre l'Église et la maçonnerie et des livres sur la résurrection, des livres très catholiques. Et avant ça, il avait écrit d'autres livres sur le multimédia. Comme il multimédia, cosa hai fatto nel multimédia, Mauro? Qu'est-ce que tu as fait dans le multimédia? Ho lavorato per esempio per la casa editrice Bollati Bulinghieri nell'ambito della psicologia e psicanalisi, ho lavorato per la SEI nell'ambito di materiale didattico, sia per le scuole medie che per le scuole superiori, era materiale didattico di carattere storico sostanzialmente. Ok, ma il a travaillé dans des maisons pour les fournitures scolaires, pour des matériels didactiques pour le milieu scolaire, de la psychologie. Donc il a travaillé dans de nombreux domaines bien avant. Per le edizioni di San Paolo, così facciamo vedere, questi sono i due volumi, traduzione interlineare di Mauro Biglino, dove ci sono i 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti. Et là, il a montré une collection, toujours de San Paolo, de la maison éditrice San Paolo, où il y a 17 livres qui sont relatifs à l'Ancien Testament, qui ont tous été traduits par Mauro Biglino. Traduction interlinéaire. Tout à fait, là j'allais effectivement y venir. On est à peu près dans quelle année, là, Mauro, quand tu rentres pour la première fois dans les éditions San Paolo? Quando sei entrato per la prima volta nell'edizione a lavorare, quando hai cominciato a lavorare per l'edizione San Paolo, siamo dunque, mi pare qualcosa come, dunque se non vado errato, tra i 15 e i 17 anni fa all'incirca, insomma. C'était il y a 15 à 17 ans à peu près. D'accord. Et à ce moment-là, quand tu rentres dans cette maison d'édition, donc je suppose que c'est un petit peu le nec plus ultra des maisons d'édition en Italie. Comment tu t'envisages ton avenir dans cette maison d'édition? Quando hai cominciato a lavorare per l'edizione San Paolo, che è praticamente un po' il fior fiore delle case editrici, come prospettavi, come ti vedevi andare avanti, come prospettavi il futuro? Io ho una grossa fortuna che io vivo costantemente il presente, quindi non penso al futuro, nel senso che sto molto attento a quello che mi capita nel presente. E il futuro io me lo, come dire, me lo gioco man mano che arriva, cioè mano a mano che diventa presente. Quindi non ci penso. Allora, Mauro ha beaucoup de il a beaucoup de chance parce qu'il vit au présent, il s'intéresse pas trop au futur et à ce qui va lui arriver. Il fait très attention au moment présent qu'il vit, il a un petit peu une doctrine carpe diem, hein. Et même maintenant, il s'occupe pas trop de ce qui va lui arriver plus tard. D'accord. Alors donc là, tu as à peu près, quand tu rentres dans les éditions San Paolo, tu as à peu près une cinquantaine d'années. Et au début, tu fais des traductions, hein, comme tu l'as dit, tu as fait 17 livres, on va dire classiques. Et quand est-ce qu'il y a le déclic de te dire, finalement, les traductions que je fais, c'est pas tout à fait ce que j'aimerais faire. J'aimerais vraiment revenir au sens d'origine des textes. Donc, comment tu as eu ce déclic? Come è scattata quest'idea che stavi traducendo delle cose, però che a un certo punto quello che diventava interessante era arrivare al senso di quello che sì, traducevi? È scattata proprio singolo sull'insieme del contesto, cioè man mano che si va avanti, che andavo avanti a tradurre i libri dell'Antico Testamento,
mi accorgevo che stava nascendo un quadro completamente diverso da quello che veniva raccontato. Alors petit à petit, qui traduisait les écrits sur les Anciens Testaments, il s'apercevait qu'il tombait sur un cadre qui était complètement différent de ce que lui avait appris et ce qu'on lui avait enseigné. Et quindi, ad un certo punto, ho pensato di iniziare a raccontare che cosa mi pareva di leggere veramente in quei libri. Et donc, à un certain point, il s'est dit, tiens, une idée lui est venue, et pourquoi je ne commencerais pas à raconter moi-même ce que je lisais vraiment dans ces livres? Ovviamente, in quello stesso momento, ho perso il mio lavoro di traduttore, e quindi, diciamo, ho fatto una scelta precisa perché ero consapevole di quello che mi sarebbe successo. Et donc, dans le même temps, il a perdu immédiatement son travail parce que, évidemment, les éditions San Paolo ne voulaient pas, mais il en était conscient et il savait ce qu'il voulait faire et il voulait faire ça. Oui, tu perds ton travail et au niveau de la famille, de tes amis, ça se passe comment? Parce que soudain, tu deviens une sorte de paria par rapport au système, surtout en Italie. En Italie, nous, Français, on s'imagine que ça doit être terrible de se faire rejeter comme ça, presque de parjurer la Bible parce que tu n'es plus dans les rails. Certo, la domanda è a livello del contesto familiare, cos'è successo nella tua vita, perché è una scelta particolare che ti ha fatto diventare una specie di paria, insomma, di reietto, soprattutto in Italia. Diciamo che sia dal punto di vista familiare che dal punto di vista delle amicizie, questa mia scelta è stata totalmente condivisa e apprezzata. Quindi dal punto di vista appunto dei rapporti più intimi e più stretti non ho avuto nessun problema. Alors tant du point de vue familial que du point de vue de ses amis, c'est un choix qui a été complètement partagé et apprécié et tout le monde l'a suivi. D'accord. Poi so che, ma questo lo dico a livello di battuta, ma nel senso che io ci scherzo sopra, ma è vero. Alors, je vais vous dire quelque chose sur la forme de l'humour, mais c'est vrai. Qui vicino a casa mia, che sulle pareti che guardano verso il mio giardino hanno messo dei crocifissi. Il a des voisins en face de chez lui qui est pratiquement sur le mur qui donne sur son jardin. Ils ont pendu des croix. Ils ont mis des crucifix. Va des rétro Satanas, tout à fait. Tout à fait. Et alors, du coup, toi, tu as envie de continuer parce que tu sens que tu as touché quelque chose finalement qui va être énorme. Praticamente senti che hai toccato qualcosa che può diventare veramente una cosa gigantesca. Ne sono diventato consapevole con gli anni, perché ormai ho cominciato nel 2010, quindi siamo nel settimo anno di attività pubblica. All'inizio devo dire che pensavo che il mio primo libro sarebbe andato al macero come finiscono il 99% dei libri che hanno. Allora... Maintenant, il en est pleinement conscient. Mais c'est vrai que la première année où il a commencé à écrire son livre, en 2010, il pensait que son livre allait faire comme 99% des livres qui sont édités dans le monde, allait passer à la trappe, quoi. Il n'en était pas sûr du tout, et donc là, maintenant, il en est pleinement conscient. Et quindi, col passare degli anni, ne sono diventato sempre più consapevole, anche in funzione delle reazioni che vedo nei miei confronti. Insomma, si cerca di fermarmi, diciamo, in tutti i modi possibili, ecco. Et donc, plus le temps passe, plus il est conscient, au vu des réactions qu'il suscite, hein, à travers toutes les conférences qu'il fait, qu'il est sur la bonne voie, et maintenant c'est très difficile de l'arrêter. Oui, parce que effectivement, tu as bien conscience que tu as sûrement changé la vie de milliers de personnes. Si je prends juste mon exemple à moi... par rapport à mon cheminement, je sais que la découverte de tes deux premiers ouvrages, Le Dieu de la Bible vient des étoiles
et la Bible comme vous ne l'avez jamais lue, ça m'a permis, moi, de vraiment de finir d'effacer complètement tout mon passé, on va dire, judéo-chrétien, et de vraiment mettre des termes sur des choses dont j'avais l'intuition, mais où il me manquait justement les preuves que toi tu as apportées à travers ces livres. Praticamente hai cambiato completamente la vita a migliaia di persone e anche Antoine dice che quando ha letto i tuoi primi due libri finalmente ha avuto una prova reale di una cosa che istintivamente sentiva ma che non riusciva ovviamente a esprimere, hai messo proprio i puntini sulle i. Sì, io spero naturalmente di averla cambiata in meglio la vita alle persone, perché altrimenti dovrei sentirmi colpevole. Devo dire che effettivamente molte persone, ormai sono insomma, migliaia, che attraverso i messaggi e vari modi, oppure di persona quando faccio le conferenze, hanno trovato nel mio lavoro conferme, esattamente come diceva Antoine, conferme a cose che già pensavano ma che non riuscivano a rendere concrete. Alors, il espère qu'il a amélioré la vie de ces personnes, sinon il se sentirait coupable. Mais à travers les milliers de messages qu'il reçoit et à travers les conférences et le soutien qu'il reçoit des personnes qui sont présentes à ces conférences, eh ben, ils ont exactement la même attitude qu'Antoine. C'est-à-dire que ces gens confirment ce qu'ils pensaient de ces travaux. Quello che ci tengo a dire, in effetti, è questo, che io non ho scoperto nulla, sono anni che lo dico nelle conferenze, io faccio un lavoro da stupido, nel senso che io leggo quello che c'è scritto, lo offro alle persone e poi ciascuno ne deve fare liberamente l'uso che crede, se lo ritiene utile lo utilizza per i suoi ragionamenti, se non lo ritiene utile lo butta via, non c'è nessun problema. Alors, il tient à préciser que lui n'a strictement rien découvert. Il a fait un travail qu'il qualifie de stupide, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est de lire et de traduire, et qu'il offre ses traductions aux personnes, et qu'ensuite chacun doit les utiliser comme bon lui semble pour le faire évoluer, lui. D'accord. Alors, donc tu as des personnes à qui tu as, on va dire, ouvert un certain nombre de perspectives. Et d'un autre côté, tu as aussi les personnes qui doivent t'en vouloir à mort du travail que tu as fait. Nous, dans notre imaginaire, on voit l'Opus Dei, on voit la Cosa Nostra, ce genre de choses, on voit la mafia du Vatican. Tu as dû avoir un sacré paquet d'ennuis quand même. Oltre alle prospettive, le tante prospettive che hai aperto a migliaia di persone, è chiaro che sicuramente hai avuto anche un sacco di bastoni fra le ruote. E non si può non pensare a miraggi, Opus Dei, Cosa Nostra, Mafia Vaticana e roba del genere. E diciamo che sì, nel senso che nel momento in cui uno sa di andare a toccare certi temi così sensibili, deve mettere in conto tutto. Deve mettere in conto anche la possibilità di farsi male, anche farsi parecchio male. Però se uno non è disponibile a questo, non lo fa. Alors oui, bien sûr, quand il sait qu'il touchait des choses sensibles et qu'il y avait la possibilité de se faire très mal, dans tous les sens du terme, très mal, mais c'est en conscience qu'il l'a fait, parce que sinon, il ne faut jamais faire ça si tu sais, si tu refuses le mal qu'on peut te faire. Per fortuna, fino ad ora, le pallottole mi sono arrivate solo nella busta. Alors, par chance, pour l'instant, les balles ne lui sont arrivées que par voie postale. Dans des enveloppes, oui. pourvu que ça dure, comme on dirait chez nous. Alors, Mauro, le codex de Leningrad, la plus vieille Bible massorétique, date d'environ 1000 ans après Jésus-Christ. Sur quelle base a-t-il été écrit? Et pourquoi les éditions de San Paolo t'ont fait l'honneur de le traduire? Allora, questa antica Bibbia masoretica, quindi come mai le edizioni di San Paolo te l'hanno fatto tradurre quella lì e da dove viene? Sì, allora la Bibbia masoretica è quella che diciamo si è affermata di più e rappresenta un po' la base per le varie traduzioni delle Bibbie. Allora,
Questa arriva da una delle possibili traduzioni ebraiche, tradizioni ebraiche, che sono tante, diverse e anche in lotta l'una con l'altra. Questa è quella che si è affermata maggiormente. Alors cette Bible massorétique est celle qui s'est imposée majoritairement parmi toutes les possibles traductions hébraïques qu'il y a eu, c'est celle qui ressort majoritairement comme étant la meilleure traduction. Però bisogna essere consapevoli del fatto che ce ne sono altre che contengono anche migliaia di varianti rispetto a questa. Par contre, il faut être conscient qu'il y en a des milliers d'autres hein, qui comportent des variables, des différences avec celle-ci. Quindi noi non possiamo essere sicuri che questa sia l'unica, quella vera. Et non. Però è quella che tu e dunque viene usata questa. Et donc on peut pas être sûr que c'est celle qui est vraie, et mais c'est celle qui s'est affirmée le plus, et donc c'est celle qui est la plus souvent citée. Est-ce que tu as eu l'occasion, Mauro, de pouvoir étudier les rouleaux de la mer morte? Quindi hai avuto per caso l'occasione di studiare i rotoli del mar morto? No, non direttamente, io ho le pubblicazioni delle traduzioni, sì, quindi sia con l'ebraico sia con le traduzioni a fianco, queste le ho. Ovviamente non ho visto i codici direttamente, quelli no. Il les a pas vus directement, Antoine, par contre il l'a eu en main. Les traductions qui ont été faites de ces parchemins de la mer morte, mais il n'a pas vu l'original, si tu veux quoi. En hébraïque aussi. Voilà. Mm-hmm. Qui c'est la bibliothèque de Qumran. C'est ça. Con i frammenti, le traduzioni, però io posso leggere direttamente anche i frammenti. Et donc là, il peut lire directement les traductions qui ont été faites. Voilà, ce sont les parchemins qui ont été découverts dans les grottes à Qumran. Et l'avisiblement, au début de l'année, ils ont découvert une 12e grotte avec de nouveaux parchemins à l'intérieur. Et la question, c'est est-ce qu'ils pensent qu'il peut y avoir des nouvelles découvertes d'écrits anciens qui remettraient un petit peu à mal officiellement les traductions bibliques? Siccome ultimamente sono state ritrovate apparentemente anche altri rotoli, che se non sbaglio non sono in buono stato, comunque tu cosa pensi? Che si possa trovare anche qualche altro documento di questo tipo? Beh, penso proprio di sì, perché diciamo che la tendenza degli antichi, soprattutto appunto nel mondo ebraico, era quella di non distruggere, semmai nascondevano, cioè se volevano rendere non più disponibile un documento, lo sotterravano, non lo distruggevano. Il pense que la tendance va s'amplifier, parce que la tendance des anciens n'était pas de détruire, mais justement de cacher, d'enterrer, pour que ce ne soit pas détruit. Et donc, plus on va aller dans les fouilles, et plus on va trouver des choses. E io penso soprattutto che i rotoli di Qumran, intanto, vabbè, sono utili per fare i confronti con il testo masoretico, siano soprattutto utili per capire le possibili vere origini del cristianesimo. Alors il pense que les découvertes de ces rouleaux de Qumran vont justement peut-être être conforter cette Bible masorétique et la possibilité de la naissance, la découverte de les origines du christianisme surtout. Voilà, la possibilité de la découverte du christianisme et son origine. Comment il a... Ok. Alors, pour toi, suite à tes découvertes, est-ce que tu t'es forgé une conviction intime par rapport à l'origine de l'humanité? C'est-à-dire que, est-ce que finalement, on est la... issu de la création d'un être divin, ou est-ce qu'on est issu d'une manipulation génétique de la part d'extraterrestres, ou autre chose? Voilà. Qu'est-ce que tu t'es forgé comme opinion suite à tes recherches? Quindi Mauro, che idea ti sei fatta delle origini dell'umanità? Se non è un'origine divina, o
o se siamo, diciamo, il risultato di una manipolazione genetica da parte di extraterrestri o altro. Qual è la tua idea? Allora, la mia idea è adesso abbastanza chiara, non posso dire di avere la verità perché ovviamente questa chissà mai se arriverà, però la mia convinzione è che nasce dalla lettura della Bibbia, ma anche dalla lettura parallela con altri testi antichi, la convinzione è che l'umanità, intesa come Homo sapiens, è frutto di un intervento genetico. Alors, mon idée maintenant devient de plus en plus claire. Évidemment, je n'affirme pas détenir la vérité, mais ma conviction née de la lecture et des traductions de la Bible est que nous sommes le fruit d'une manipulation génétique. In particolare, devo dire che la Bibbia parla della specie, cioè della razza, del gruppo degli Adamiti. E parlando della fabbricazione degli Adamiti, la Bibbia parla chiaramente di clonazione. En particulier, la Bible parle des Adamites. Et en parlant de ces Adamites, la Bible parle clairement de la fabrication de clones. E questo lo dicono e lo scrivono anche molti rabbini. Cioè che la Bibbia parli di ingegneria genetica nel mondo ebraico è largamente accettato. Et les rabbins ne sont pas frileux dans ce domaine-là, et ils parlent volontiers de fabrication génétique dans le monde hébraïque. Ah oui. Dans le Coran aussi, si je peux me permettre. Anche nel Coran, Mauro. Oui, il Corano è più esplicito ancora della Bibbia. Dice che l'uomo è stato fatto utilizzando sperma e sangue. Alors, le Coran est encore plus explicite, nous dit Mauro. Il dit que l'homme a été fabriqué en utilisant du sperme et du sang. D'accord. Il fatto che la Bibbia non parli di creazione divina non vuol dire che necessariamente non esiste Dio. Io non lo so se Dio esiste oppure no, e non so se all'origine di tutto c'è o no Dio. È la Bibbia che non ne parla, cioè la Bibbia non se ne occupa. Voilà. Alors, il faut bien préciser que la Bible ne parle pas de création divine, mais ce qui ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Oui, tout à fait. Moreau ne s'occupe pas de savoir si Dieu ou n'existe pas. Lui, tout ce qu'il dit, c'est que la Bible n'en parle pas. Oui, ça. De toute manière, on va dire, ça ne fait que repousser le problème d'un cran. C'est-à-dire, même si nous n'avons pas été créés directement par Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas créé nos créateurs, par exemple. Sì, praticamente la cosa è rimandata perché non risolve il problema dell'esistenza o meno di Dio. Esatto, non risolve il problema perché la Bibbia non se lo pone neppure quel problema lì. La Bibbia parla soprattutto degli Adamiti. Et c'est exactement ça, parce que la Bible ne se pose même pas le problème, parce que la Bible parle seulement des Adamites. Alors, on va revenir sur un événement, parce que moi, ça m'a frappé. En français, on va le finir de le traduire, hein, c'était un événement qui a eu lieu le 6 mars 2016. Mauro Biglino a réuni une salle de 600 personnes à Milan, avec une réunion des théologiens. Donc, il y avait évidemment des journalistes présents, il y avait un traducteur hébraïque, il y avait un rabbin, il y avait un représentant de l'Église orthodoxe, il y avait un pasteur protestant, il y avait un sacerdoce catholique, et puis quelqu'un spécialiste du Nouveau Testament. Et donc, on a fait ça sur 126 pages, avec Catherine et notre équipe de traductrices. On va finir de le traduire en français. Et moi, j'ai une question à Mauro, c'est que quand on lit la synthèse de la réunion des théologiens du 6 mars, on voit que finalement, ils se disputent beaucoup entre eux, hein, notamment concernant Jésus et le nouvel évangile. Et que concernant l'Ancien Testament, ils ont envie de l'évacuer au plus vite. Et que quand il y a des questions précises sur l'Ancien Testament, il n'y a que Mauro qui prend la parole et les autres ne veulent pas la prendre, hein, parce qu'ils sont vraiment très gênés. Allora, praticamente dopo il famoso incontro con i teologi che quindi ha avuto luogo il 6 marzo dell'anno scorso, dice Silvano che una cosa si vede, che praticamente non sono d'accordo su niente,
soprattutto per quel che riguarda ovviamente l'esistenza di Gesù Cristo, ma anche sull'Antico Testamento. Cioè praticamente non osano nemmeno parlare, cercano di evitare, di sviare. Sì, io sono stato molto contento di fare quell'incontro. Penso che adesso al Salone del Libro, il 20 maggio, ne faremo un altro a Torino, dentro il Salone del Libro, non più con tutti questi, perché in quell'incontro sono venute fuori delle cose estremamente interessanti. Alors, je suis très content de cette réunion et j'espère en faire une autre le 20 mai à Turin, lors du Salon du Livre, parce que dans cette réunion est venu des choses extrêmement intéressantes. Per esempio, è venuto fuori chiaramente da tutti che non c'è nessuna certezza su Dio. Par exemple, tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucune certitude sur Dieu. Personne n'a affirmé, moi, je sais que Dieu existe. Che nella Bibbia non si parla di creazione dal nulla. Tout le monde a conclu que dans la Bible, il n'y a pas de création issue de nulle part. Che la Bibbia non parla di un Dio onnipotente. La Bible ne parle pas d'un Dieu omnipotent. Che il termine ebraico che viene tradotto con eternità non significa eternità. Et que le terme hébreu qui veut dire éternité ne veut absolument pas dire éternité. Che nella Bibbia non c'è il peccato originale. Que dans la Bible, il n'y a pas le péché originel. Cioè sono venute fuori tutte cose che io dico dal 2010 e sono molto contento di averle sentite dire da quei signori. Exact. Donc, dans cette rencontre, tout le monde a dit ce que dit Mauro depuis 2010. Et il était très content que tout le monde était finalement d'accord avec lui. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Et bizarrement, l'information n'est pas diffusée. Voilà, elle n'est diffusée que par Mauro. Une information del genere. Nessuno ne parla, tranne te, Mauro. Sì. Sì, diciamo ci vuole un po' di incoscienza, un po' di coraggio, insomma, a dirlo chiaramente. Donc il faut du courage, effectivement, pour le faire. Et en parlant de courage, Mauro, est-ce que tu as des relations encore avec le Vatican? Est-ce que tu sais que tu as des pressions de la part du Vatican? Est-ce que tu entends des rumeurs, des choses te concernant? Hai mai sentito qualcosa a proposito di pressioni che potrebbero arrivare dal Vaticano, ad esempio, nei tuoi confronti? Allora, pressioni dirette su di me, no, nessuna. Quella che reagisce violentemente è la base. Io poi non so se questa base sia manovrata o meno, questo non lo posso dire, perché non lo so. Ma pressioni dirette su di me, dalle gerarchie, no. Alors, des pressions directes du Vatican et de la hiérarchie, absolument non. Par contre, des pressions de la base, hein, oui, même s'il ne sait pas si elles sont, s'ils sont manipulés ou pas. Mais en tout cas, du Vatican directement, non. Ok. Est-ce que tu as eu accès aux archives du Vatican, Mauro, quand tu travaillais pour les éditions San Paolo? Hai mai avuto accesso agli archivi del Vaticano quando lavoravi? No, loro mi mandavano i file con il testo ebraico, che è la versione si chiama Bibbia Stuttgartensia. Io traducevo su quelli e poi andavo nella loro redazione e assieme vedevamo le cose. Eh no, il ne l'è pas été. Hein. Il recevait des dossiers, hein, et puis d'une Bible qui s'appelait Stuttgartensia. Et puis il devait travailler dessus, mais par contre il n'avait pas accès au Vatican. Est-ce que tu sais ce qui se cache? Parce que même des chercheurs patentés n'ont pas accès à ces 80 km de rayon d'archives vaticanes. Est-ce que tu as déjà entendu des choses sur ce qui se cache dans ces archives vaticanes? Quindi la domanda è se hai mai avuto accesso a un metro di questi 80 km di archivi? No, 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 mai, mai, mai. D'accord. Non, hein, si j'ai compris. Jamais. C'est dommage, c'est dommage. Alors, Mauro, pour revenir à un petit peu à tes recherches, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore complètement, si je résume la situation, finalement, le Dieu de la Bible qui s'appelle Yahvé en hébreu ou Jéhovah en français, c'est un seigneur de guerre. Voilà.
qui est là, qui a pris sous sa protection effectivement un peuple, le peuple hébraïque, et qui, entre autres, a besoin d'un certain nombre de sacrifices rituels, parce que l'odeur des sacrifices lui rappelle, selon tes traductions, l'odeur de l'espace. C'est bien ça? Allora, quindi questo Dio della Bibbia, che è descritto nella Bibbia, che sarebbe Yahweh, che in realtà è un signore della guerra, che ha preso sotto la sua protezione un popolo ebraico e che richiede addirittura dei sacrifici che, secondo le tue traduzioni, darebbero un odore che a lui è gradito. Sì, esatto. Allora, la Bibbia parla del rapporto tra una famiglia e quell'individuo di nome Yahweh. È preciso che è una famiglia, non il popolo ebraico, perché non è neppure tutta la famiglia del patriarca Abramo. Allora, c'est exact. La Bible traduit le rapport entre une famille et cet individu qui s'appelle Yahweh. C'est pas avec la totalité du peuple hébraïque. Et justement, c'est la famille du patriarche Abraham, c'est ça? Sì, c'est ça. Dunque, lui ha ricevuto in assegnazione, cioè lui si doveva occupare esclusivamente di Giacobbe e dei suoi discendenti. Et Abraham a reçu une assignation, il devait s'occuper de Jacob et de ses descendants. Et c'est que Yahvé, utilisant Jacob et ses descendants, a cercato molto spesso di sterminare altre famiglie appartenenti, diciamo, altre famiglie di loro parenti strettissimi, cioè appartenenti alla stessa famiglia del padre di Abramo. Et donc Yahvé, en utilisant Jacob et ses descendants, n'avait que pour objectif de détruire toute la famille d'autres qui lui étaient directement affiliés à Jacob. Et pratiquement, il a attaqué d'autres membres de la famille, c'est-à-dire des descendants d'Abraham, du père d'Abraham. Il n'y avait pas du tout une notion. Il padre di Abraham, sì. Tout à fait. Et d'accord. Tra le tante cose, appunto, lui chiedeva dei sacrifici. Che erano sia sacrifici di animali, ovviamente, ma anche sacrifici umani, lo dice chiaramente lui nel libro di Ezechiele. E lui demandait aussi en échange des sacrifices animaux et humains. Du reste, Catherine, si tu veux traduire, toujours dans cette réunion du 6 mars, quand on parle de l'Ancien Testament et de l'ordre de tuer toutes les femmes sauf quelques vierges, mais les autres théologiens sont très gênés et ne veulent pas prendre la parole pour argumenter sur ce point-là bien précis. Sì, Silvana sta ricordando che durante l'incontro con i teologi, quando si è parlato del fatto che si dovevano ammazzare donne, bambini, eccetera, tranne alcune vergini, i presenti non osavano praticamente argomentare su questa cosa. Sì, esatto. Allora lui voleva dei sacrifici, adesso veniamo a questo, perché il fumo prodotto da un certo grasso, da una certa parte del grasso, era per lui calmante, era per lui rilassante. Alors lui il voulait ces sacrifices parce que ça va choquer un petit peu nos auditeurs de miasme, la fumée produite par le gras de ces sacrifices était pour lui une odeur qui le calmait. De certains organes. Oui. Poi lui amava molto anche le bevande alcoliche, quelle ubriacanti. Il aimait aussi beaucoup l'alcol e surtout celle qui rendait sous. Questa cosa io l'ho documentata in un libro che in Francia non c'è ancora, che è stato pubblicato da Mondadori qui in Italia. E tout ça, il l'a documenté dans un livre qui n'est pas encore sorti en France, mais qui est sorti en Italie. Et qui va arriver en France. Et qui s'appelle? Pubblicato da Mondadori, che è una delle più importanti case editrici d'Europa. Et qui est publié par la société éditrice Mondadori, qui est une des plus grandes, un des plus grands éditeurs européens. Et quando tu prima, Silvano, facevi cenno alle cosiddette vergini?
Et comment je faisais? In realtà, in ebraico si parla di bambine. Alors, comment je faisais référence tout à l'heure aux femmes vierges, aux vierges. En fait, dans la traduction hébraïque, c'est des enfants. Delle bambine, e nel secondo libro che ho pubblicato con Mondadori ho documentato che loro potevano fare sesso con le bambine di 3 anni e un giorno. Alors, dans le deuxième livre qu'il a publié avec Mondadori, il stipule que eux pouvaient faire avoir des relations sexuelles avec des filles qui avaient 3 ans et un jour. À partir de un jour après. Et di questo si parla appunto in certi passi della Bibbia dove si dice che quelle bambine andavano dovevano essere tenute in vita, mentre i bambini maschi dovevano essere ammazzati. Et donc ça on les trouve les dans les on en trouve trace hein, dans la Bible et il disait que ces filles donc de 3 ans devaient être tenues vivantes, par contre les garçons devaient être tués. C'est dans quel passage? Siamo nel capitolo 31 del libro dei numeri. C'est dans le livre 31 du livre des numéros. Par contre, Catherine, des je nombres. Sais pas. Des nombres. Nombre, je ne sais pas ce que c'est. C'est un livre de l'Ancien Testament. Ouais. D'accord. Alors, donc pour revenir à ce, du coup, à ce seigneur de guerre, moi, ce qui m'étonne, Mauro, c'est que finalement la Bible va parler de Yahvé, des exploits guerriers de Yahvé, mais à aucun moment on va avoir le nom de ses adversaires. Finalement, on ne sait pas trop qui est-ce qu'il combat. Sì, Antoine sta dicendo che praticamente, anche se conosciamo tutte le geste di questo guerriero, di questo signore della guerra che si chiama Yahweh, in pratica non si sa il nome dei suoi avversari. Sì, la Bibbia li nomina. Per esempio c'era un avversario uguale a lui che si chiamava Camosh, un altro si chiamava Milcom, un altro Dagon, ce n'è un altro Kosh, quindi la Bibbia conosceva e li nomina i nomi degli Elohim come lui, ai quali erano state affidate altre famiglie e loro si combattevano tra di loro per prendersi i territori. Alors sì, sì, Antoine, la Bible les nomme. Il y en a un qui s'appelle Camosh, un autre qui s'appelle Milcom, un autre qui s'appelle Dagon, un autre qui s'appelle Kosh. C'est d'autres Elohim qui appartenaient à d'autres familles et qui se combattaient entre eux. D'accord. Erano famiglie appartenenti alla stessa famiglia del padre di Abramo, eh? Questo è importante. Non ho capito. All'inizio erano famiglie appartenenti alla stessa famiglia del padre di Abramo. Alors c'était des familles qui appartenaient à la même famille que le père d'Abraham. Oui, mais Abraham était humain. Abraham oui. Est humano. Les autres familles, ces familles-là, c'était des Elohim ou c'était aussi des humains? Je suis perdu un peu là. Non, non pensa no. Che le altre famiglie siano Elohim e... No, erano tutte famiglie umane che erano governate ciascuna da un Elohim. C'était toutes des familles humaines, Antoine, elles étaient gouvernées chacune par un Elohim. Et Elohim D'accord. était le chef d'une famille. Et ce sont des familles apparentées, en fait. D'accord. Apparentées. D'accord. Souvent, elles sont apparentées. Ce sont des descendants du père d'Abraham. Donc, c'est vraiment des petits clans, des petites familles. En fait. Des clans, oui, des clans. C'est bien comme terme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Et dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, on évoque un fameux livre qui s'appelle le Livre des Guerres. Et ce livre, il a été perdu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre? Quindi, siccome nell'Antico Testamento si accenna al libro delle guerre di Yahweh. Tu hai qualche notizia a proposito di questo libro scomparso? Purtroppo no, perché diciamo che uno degli 11 libri che la Bibbia cita, la più notizia, e probabilmente, come dicevo prima, non sono stati distrutti, sono stati occultati, nascosti, in modo che non fossero più disponibili. Alors, hélas, non.
Parmi les 11 livres que la Bible cite, on n'en trouve pas. Et ils n'ont pas été détruits. Ils ont été occultés, ils ont été cachés, justement pour ne pas être trouvés. On peut le supposer, vu qu'en général, c'était comme ça que ça se passait. Est-ce qu'ils pensent que c'est le Vatican qui peut être là derrière? Comment? Est-ce qu'ils pensent que le Vatican peut être là derrière et qu'il les aurait, lui, qu'il les aurait cachés? Potrebbe essere il Vaticano che li abbia nascosti. No, li ha nascosti probabilmente prima ancora del Vaticano. Avant même. Ma li hanno nascosti perché forse erano, come il libro delle guerre di Yahweh, forse un po' troppo raccontare come lui combatteva e che armi usava. E quindi non sarebbe stato forse possibile interpretarli dal punto di vista teologico, quindi era meglio farli scomparire. Alors, c'était bien avant le Vatican parce qu'ils pensent que ces livres étaient très explicites sur les méthodes de combat qu'utilisait Yahweh et qu'ensuite, on aurait eu du mal à expliquer toute la farce qui a été écrite dans les livres. Si je peux me permettre, d'un point de vue théologique, c'est difficile de traduire certaines choses, d'inventer certaines choses. Hein. On interprète, ils interprètent en général. Et également, il l'a dit Mauro, sur le type d'armes qu'ils utilisaient. Oui. Che armi usavano? Allora, nel nuovo libro che sta per uscire in Italia, che devo consegnare per il 15 di marzo, analizzo certe battaglie. Allora, non sono ultimissime scoperte scientifiche. E sicuramente tra le armi che usavano c'erano anche armi nucleari. Alors, dans le nouveau livre qui va sortir en Italie le 15 mars prochain, enfin qui doit consigner le 15 mars prochain, il met en lumière des armes qu'ils utilisaient en corrélation avec des recherches scientifiques qui ont été menées, et il peut dire qu'il y avait aussi des armes nucléaires qui étaient utilisées. D'accord. In questo libro c'è un di 8 ingegneri, in collaborazione con 8 ingegneri. Ci sono 3 ingegneri aerospaziali italiani che lavorano per un centro ricerche che lavora per la NASA. Il y a 3 ingegneri aerospaziali italiani che lavorano per la NASA. Un ingegnere meccanico, un bioingegnere e un ingegnere informatico. Un ingegnere mécanicien, un bioingegnere, c'est-à-dire spécialiste en biologie, e un. L'ultimo che hai detto? Informatico. E un informaticien. Un ingegnere informatico. E con loro pubblicheremo, perché le hanno fatti loro ovviamente, dei disegni di oggetti volanti derivanti dalle descrizioni bibliche. E avec eux, il va publier des dessins que ces ingénieurs ont fait, des objets volants qui ont été que Moreau leur décrit, qui étaient décrits dans la Bible. E poi ci sono 2 ingegneri aerospaziali indiani, cioè di religione induista. Il y a 2 ingénieurs aérospatiaux d'origine indienne. Induisti. Indù. Che fanno degli studi, hanno fatto degli studi che pubblichiamo sulle macchine volanti in India. Qui ont fait des études sur les machines volantes en Inde. Les fameuses Vimanas. Vimanas, c'est ça. Oui. E quindi in questo libro andiamo molto avanti. E parliamo anche delle battaglie e delle conseguenze di queste battaglie che loro facevano prima di decidere di non usare più le loro armi perché erano troppo pericolose anche per loro. Et alors dans ce livre on va aller très en avant sur ces batailles et également sur les conséquences de ces batailles et de l'arrêt de l'utilisation de certaines armes parce qu'elles devenaient même dangereuses pour eux. Et là Catherine, tu peux poser une question, on en revient à la fameuse découverte justement dans une vallée hindoue, de traces nucléaires qui datent entre 8000 à 12000 ans.
Est-ce qu'il pourrait y avoir une relation? Mais alors, ça ne correspond pas avec... Se ci fosse qualche relazione con la scoperta, non ora, ma comunque di questa vallata in India, dove ci sarebbero delle tracce di radioattività, quindi forse, no, anzi probabilmente di esplosione nucleare, che è successo 10-12 mila anni fa, una cosa del genere, potrebbe corrispondere? Ci sono correlazioni, anche perché tra... La valle a cui si riferisce Silvano immagino sia quella in cui si trovano Harappa e Mohenjo-Daro, che è sotto appunto da armi ad alta energia, e la datazione pare corrispondere a quella che è stata studiata per Sodoma e Gomorra. Quindi la relazione tra questo racconto biblico e i racconti induisti. Alors, il y a effectivement une corrélation par rapport à ce que je viens de dire, puisqu'on y retrouve des traces de haute énergie qui peuvent être datées à peu près avec la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alors, ces informations, Mauro, tu les retrouves toujours dans la Bible, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas piocher, tu vas voir dans des textes apocryphes, par exemple ? Ovviamente tutte queste informazioni, chiede Antoine, se le trovi soltanto nella Bibbia o se vai anche a pescarli in altri testi apocrifi o altro. No, allora io, per quanto riguarda ad esempio Sodoma e Gomorra, mi riferisco a ciò che è scritto nella Bibbia. Ed è la Bibbia stessa che dice che circa 2000 anni dopo l'evento quel territorio non era... Alors lui, non, il n'utilise que la Bible. Et concernant justement ses références à Sodome et Gomorre, dans la Bible, il y a écrit qu'après ces événements, 2000 ans après, les terres n'étaient pas encore cultivables. Rimanere fedele al testo biblico. Et donc lui, il reste fidèle au texte biblique. D'accord. Mais parce que les textes bibliques, finalement, c'est l'intelligentsia du Vatican qui a décidé de dire... Ce sont ces textes-là que l'on met dans la Bible et ces textes-là que l'on rejette. Mais est-ce que s'ils ont été rejetés, c'est finalement parce qu'ils étaient peut-être un peu trop dangereux? Je pense par exemple au livre d'Enoch. Sì, ad esempio, allora, il Vaticano ovviamente ha selezionato, ha conservato alcuni testi, ma non solo il Vaticano, vabbè, e ne ha conservati altri. E perché? Perché forse li ritenevano troppo pericolosi, e Antoine sta pensando al libro di Enoch. Sì. In particolare. Allora, diciamo che ci sono, a seconda delle varie correnti religiose, ci sono tante Bibbie. En fonction des courants religieux, il y a beaucoup de Bibles. Per esempio, per i cattolici romani, l'Antico Testamento è fatto da un po' più di 40 libri. Par exemple, pour les catholiques romains, l'Ancien Testament est fait environ de 40 livres. Da poco più di 20 libri. Pour les Hébreux, 20 livres. Per i protestanti vale lo stesso canone, cioè lo stesso numero dei libri degli ebrei. Pour les protestants, il y a le même nombre de livres que les Hébreux. Per i cristiani copti valgono più o meno i libri degli ebrei, più sono veri né per gli ebrei né per i cattolici. Et pour les chrétiens coptes, c'est le même nombre de livres que les Hébreux, plus des livres qui sont valides pour personne des autres. Per esempio, tra questi c'è il libro etiopico di Enoch, che vale per i cristiani copti e non vale per nessun altro. Et parmi ceux-là, il y a le livre d'Enoch qui vaut pour les chrétiens coptes, mais pas pour les autres. Per i samaritani, i libri veri sono solo sei. Pour les samaritains, les vrais livres ne sont que au nombre de 6. Per i cristiani ortodossi, la Bibbia è quella che è stata scritta in greco nel III secolo avanti Cristo in Egitto. Pour les chrétiens orthodoxes, grecs, il n'y a qu'une seule Bible, celle qui a été écrite au IIIe siècle avant Jésus-Christ. In greco, scritta in greco in Egitto. Écrite en grec. Per gli ebrei, quella Bibbia lì è una disgrazia per l'umanità. Pour les Hébreux, c'est une honte de l'humanité.
cette Bible. Ognuno ha la sua Bibbia e chiunque nasce in un posto si sente dire che la Bibbia giusta è la sua. Donc chacun a sa Bible et chacun qui naît à un endroit s'entend dire que la vraie Bible est celle qui est d'origine de chez lui, quoi. Bien sûr. Alors, moi, pourquoi est-ce que je te parlais de ce livre d'Enoch ? C'est en fait, j'ai eu une expérience personnelle avec ce livre-là. Allez, c'était en 88 à peu près. Je suis tombé sur ce livre à la bibliothèque de Toulouse et je ne le connaissais pas du tout. Et quand je l'ai lu, quand il décrivait le chariot de feu de je ne sais plus quel, ça doit être Élie ou quelque chose comme ça, qui s'envole dans les cieux, etc. À l'époque, hein, fin des années 80, j'avais l'impression qu'il me racontait Star Wars, voilà, avec les vaisseaux qui s'envolaient et tout et tout. Et c'est vrai que quand, du coup, j'ai retrouvé cette même traduction, on va dire, ces mêmes références dans tes textes à toi, ça a vraiment... tu vois, j'ai vraiment fait la correspondance où finalement l'intuition que j'avais quand j'avais 18-20 ans de me dire il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette Bible qui est peut-être pas telle qu'on devrait, telle qu'on nous la raconte. Moi, voilà, ça a fait de suite écho quand j'ai lu tes traductions à toi. Quando Antoine nell'88 praticamente a Tolosa nella biblioteca ha scoperto e ha letto il libro di Enoch. Aveva l'impressione di leggere Star Wars praticamente e quindi quando ha scoperto quello che facevi, le traduzioni che facevi, c'è stato ovviamente è scattato qualcosa perché ci sono delle corrispondenze assolutamente evidenti. Assolutamente ragione, nel senso che la Bibbia è chiarissima in quelle descrizioni lì, tant'è che io mi limito a raccontare ciò che c'è scritto nella Bibbia senza interpretare. Alors Antoine a complètement raison, puisque la Bible est très claire sur ce point-là, et que Mauro, lui, ne se limite que à décrire ce qu'il y a écrit dans la Bible sans interpréter. Invece, chi deve vedere nella Bibbia un racconto teologico, è chiaro che deve interpretare quei passi lì e li deve spiegare, e ogni volta dicono e devono dire che dice una cosa, ne voleva in realtà dire un'altra. Ecco, io non faccio questo. Io dico che quando la Bibbia dice una cosa, voleva dire quella. E in questo modo la Bibbia diventa chiarissima. Eh oui. Par contre, chi doit raconter un récit théologique, hein, évidemment, ils se défendent de ça en disant que non, il ne faut pas interpréter au premier degré, il faut interpréter encore plus. Il faut interpréter encore plus, il faut imager, c'est des images. Et donc ça, Mauro se refuse à faire et lui ne fait que traduire. Alors Mauro, finalement, il y avait les Elohim, ils sont partis où ? Ils sont où aujourd'hui ? Questi Elohim, ora dove sono oggi ? Donc io questo non lo so, ovviamente, purtroppo, mi piacerebbe tanto saperlo, però se un giorno si scoprisse che sono ancora qui, e che stanno governando tutto, io non mi stupirò in quel momento lì. Alors lui, il le sait pas ça, mais il aimerait bien le savoir. Mais si on devait lui dire un jour que les Elohim sont encore là et qu'en fait ils gouvernent tout, ça le surprendrait pas. Ouais. Oui, io mi ricordo bene ciò che scrive l'apostolo Paolo quando scrivendo agli Ebrei dice: non dimenticate l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Alors l'apôtre Paul disait aux Hébreux, n'oubliez pas l'ospitalité, parce que peut-être que l'un de vous aura donné son toit à l'un d'eux. À l'un d'entre eux, oui. Questo significa che sono talmente simili a noi da essere spesso non distinguibili. Et ça veut dire qu'ils nous ressemblent tellement qu'il est impossible de les distinguer, quoi. E una persona che è stata recentemente in India, un farmacista, mi raccontava che la guida che li portava in giro diceva: noi diamo ospitalità agli estranei perché no, ma un estraneo potrebbe essere uno degli dèi.
Alors en Inde, un pharmacien qui avait été en Inde disait qu'il avait pris un guide qui disait que lui donnait l'hospitalité aux étrangers parce que, sans le savoir, peut-être un de ces étrangers était un dieu. Esattamente come dice Paolo. Exactement comme dit Paul dans la Bible. D'accord. Lo dicono ovunque sul pianeta. È una cosa molto diffusa questa cosa dell'ospitalità. Ça, c'est quelque chose qui se dit souvent sur la planète, dans la planète. C'est quelque chose de très diffus, de cette hospitalité. Est-ce que les Elohim, mis à part la Bible, sont présents dans d'autres livres anciens, Mauro? Gli Elohim sono presenti in altri libri antichi, oltre alla Bibbia? Sì, certo, con altri nomi, ma tutti ci parlano di quelli, tutti. Si chiamano i Deva, Unna o Anunnaki, si chiamano Anu, si chiamano Teoi, ma tutti ci parlano di quegli individui lì. Ovviamente in ogni lingua vengono chiamati con nomi diversi. Alors oui, dans tous les livres, ils sont appelés avec des noms qui sont différents. Hein. Devon, Anun, Anunnaki. Tu m'aides, Catherine? Théoi, Théoi en grec. Ils sont présents partout, en fait. Théoi, les Théos, les Grecs. Voilà. Ils sont présents partout. Et donc, on leur a donné d'autres noms. Ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses, hein, n'empêche. Et du coup, est-ce que tu connais les travaux de personnes comme Zachary Sitchin, de Anton Parks, qui est un Français? Conosci i lavori di Zacharia Sitchin, di Antoine Parks, che è francese? Zacharia Sitchin sì, purtroppo di Antoine Parks no. Conosco lavori anche di altri americani, che in sostanza raccontano tutti le stesse cose. Zacharia Sitchin in particolare si occupa dei racconti dei Sumeri che sono assai uguali a quelli biblici. Alors, il connaît les travaux de Sitchin, il ne connaît pas du tout les travaux de Parks. Et il connaît aussi les travaux d'Américains. Et concernant Sitchin, il raconte les histoires des Sumériens qui ressemblent fortement à ce qui est décrit dans la Bible. Oui, parce qu'à un moment donné, il me semble que c'est toi qui le dis dans un de tes livres. Finalement, la Bible, elle a pris toute son comment dire, sa mythologie dans la mythologie sumérienne. On retrouve le paradis terrestre, c'est un mythe sumérien, on retrouve le déluge, c'est un mythe sumérien, etc. Praticamente la Bibbia ha ripreso tutti i miti sumerici, sumerici. Sì. Nei racconti delle origini la Bibbia ha rielaborato i racconti dei Sumeri. Esatto. Oui, c'est exact. Et est-ce que toi, de par finalement ta formation de philologue, ça ne t'intéresserait pas d'étudier les tablettes sumériennes et de te lancer dans la traduction du sumérien? Come filologo ti piacerebbe pensare di poter studiare le tavolette sumere e tradurle? Sì, mi piacerebbe anche il sanscrito. Non si sa mai, visto che ho tutta la vita davanti, chissà. Alors, il aimerait aussi traduire le sanscrit, et de toute façon, comme il a toute la vie encore devant lui, on ne sait jamais, hein, il peut le faire. Perché il sanscrito, Mauro? Perché quello? Per avere accesso ai racconti orientali. Pour avoir accès aux histoires orientales. Ils sont très antiques. Et donc, Mauro, tu travailles de plus en plus, je le vois, de collaboration, des vidéos avec des scientifiques comme Pietro Buffa, qui donne encore plus de teneur à ton discours. Et ça, c'est super. Est-ce que tu envisages d'autres collaborations avec d'autres scientifiques? Siccome sta lavorando sempre di più con ricercatori, scienziati, eccetera, come ad esempio Pietro Buffa, sì. Ti piacerebbe, diciamo, ancora ampliare questa cosa? Sì, ma come ho detto prima, la sto ampliando, nel senso che adesso ho avviato questa collaborazione con tutti questi ingegneri. Poi c'è un neurochirurgo con il quale stiamo esaminando tutta una serie di passi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, avec les nouveaux livres qui vont sortir, je travaille avec les ingénieurs. Et là maintenant, je vais commencer à travailler avec un neurochirurgien
pour étudier justement les écrits de l'Ancien Testament. Et adesso, attraverso una teologa russa, spero di entrare in contatto con degli scienziati russi. Et maintenant, grâce à une théologienne russe, il espère rentrer en contact avec des scientifiques russes. Perché in futuro si potrebbe fare forse un lavoro assieme, vedremo. Et dans le futur, ils pourraient travailler ensemble. Hein, encore un beau projet. Et Catherine, en septembre 2016 à Pescara, il a rencontré le grand Corrado Malonga. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand deux monstres sacrés comme ça se rencontrent ? En septembre de l'année scorso, con il famoso Corrado Malonga. Cosa vi siete detto? Vuole sapere, Silvano. Certo, ci siamo detti una cosa molto semplice. Io l'ho detta a lui e lui l'ha detta a me. Io gli ho detto, ci sono un sacco di persone che mi chiedono che cosa penso del tuo lavoro e io dico sempre che sono due lavori diversi. Io mi occupo di cose che sono scritte in un testo, mentre Malonga si occupa di fenomeni ai quali lui assiste, che studia e che spiega. E lui mi ha risposto e lui mi ha detto esattamente la stessa cosa. Alors évidemment, quand ils se sont rencontrés, la première chose qu'ils se sont dites, c'est que ben, évidemment tout le monde voulait savoir ce que l'autre pensait de l'autre, et qu'ils font deux travaux différents. Hein. Mauro travaille sur les textes sacrés, et Malonga travaille évidemment sur les aliens, et que c'est pas pareil du tout. Mais c'était une belle image. Mais Malonga, il a dit exactement la même chose. Oui, bien sûr, les deux disent la même chose, oui. Alors, à quand une conférence en France et quand on fasse connaître en France? Quando in Francia una conferenza di Mauro Biglino? Quando mi chiamate, mi dite che c'è il posto, io, perché sai che io vado solo dove sono chiamato, che sia un presuntuoso, ma perché io non voglio andarmi a proporre io, cioè io vado se la gente è interessata a sentire le cose che racconto, io non voglio andare a rovinare la fede di nessuno. Sì. Et qui Italia, se vengo chiamato, si organizza la data e io arrivo. Alors, comme lui, il veut casser la foi de personne, hein, il ne vient que s'il est invité, comme il le fait en Italie. Il ne va que là où il est invité de nombreuses fois, et il y va bien volontiers. Et justement, Catherine, il continue ses conférences où il invite les Italiens à venir avec leur propre. Où il a arrêté ça? Les conférences, non, bien sûr qu'il continue. Alors, Mauro, continue les conférences en Italie? Le stai facendo? Sì, ne ho già prenotate fino a novembre. Solo? Et l'actualité en France des livres, parce que... Sì, ma Antoine voleva sapere a proposito dell'attualità dell'editoria, che cosa è previsto, se qualcosa è previsto che uscirà in Francia, un nuovo libro. In questo momento sai che non te lo so dire. Okay. E questo è l'ultimo che è uscito in Italia, adesso il 15 marzo. Quello è l'ultimo in Italia, sì, esatto. E ça c'est le dernier qui est sorti, sì, en Italie. Et où pour la première fois Mauro parle du Nouveau Testament. La prima volta che parli del Nuovo Testamento. Esatto. E allora, che pensi du Saint-Suaire du Saint-Suaire de Turin. A proposito del Santo Sudario di Torino, cosa ne pensi? Sì, penso che non sia autentico, cioè che non riguardi la figura di Cristo. Il pense qu'il n'est pas authentique, le Saint-Suaire de Turin, e qu'il ne représente pas la figure du Cristo. Poi, come sapete, io abito proprio tra Torino e la Francia, nel senso che se guardo da una parte ho Torino, se guardo dall'altra parte ho il confine francese. Lui habite exactement entre Turin et la France. Donc, quand il regarde à droite, il voit la France. Quand il regarde à gauche, il voit l'Italie. Peux-tu dire à ceux qui nous écoutent en France, que penses-tu de Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour toi? Et quindi, Jésus-Christ, qui est? C'è, non c'è? Per te, che cos'è? Allora, io sono tra pensano che quella figura storica sia esistita. Lui, il pense que Jésus-Christ a existé dans l'histoire. Su di lui è stata inventata la figura del Cristo, figlio di Dio, secondo il pensiero greco, però.
Et à travers lui a été inventée la figure qui veut dire Christ, Jésus-Christ, fils de Dieu, hein, selon les Grecs. Perché secondo il pensiero ebraico quella figura del figlio di Dio non può esistere. Parce que selon les Hébreux, Jésus, fils de Dieu, ne peut pas exister. Prédicateur, messia, anti-romano. Lui était un prédicateur anti-romain. Ed è stato condannato proprio come ribelle anti-romano. Et a été condamné comme rebelle anti-romain. Qui è stata creata la figura spirituale del figlio di Dio. Et ensuite on a créé l'histoire de la figure du fils de Dieu. Io sto spiegando nelle conferenze ultimamente ciò che si ricava, per esempio, dagli studi di un gesuita francese, Jean Danielou. Alors, dans ses conférences, il explique les études qui ont été faites par un Français, Jean Danielou. Danielou, un académico di Francia, cardinale et docente di teologia. Académicien français, cardinal et doctorat en théologie. Professeur de théologie. Et lui dit que la figure cristiana dello Spirito Santo è una elaborazione della figura di Gabriele. Alors lui dit que la figure de l'Esprit Saint est une élaboration de Gabriel. E Gabriele nell'Antico Testamento è chiaramente un individuo in carne ed ossa maschio. Et Gabriel dans l'Ancien Testament est clairement un individu de chair et d'os. E Gabriele in ebraico significa uno che lavora per conto di un El, cioè di uno degli Elohim. Et en hébreu, Gabriel, c'est quelqu'un qui travaille pour un El, c'est-à-dire un Elohim. E Gabriele visita la madre di Giovanni Battista e lei rimane incinta, la madre di Gesù e lei rimane incinta. Alors, Gabriel visite la mère de Jean-Baptiste et qui devient enceinte, et ensuite visite la mère de Jésus. De Jésus et devient aussi enceinte. Quindi questi due personaggi potrebbero essere uno dei tanti prodotti di un intervento degli Elohim. Et donc il pourrait être le produit d'une des nombreuses interventions des Elohim. Tanti, la Bibbia ce li racconta. Les Elohim en ont fait beaucoup et la Bible le raconte explicitement. Hanno visitato la moglie di Abramo e lei è rimasta incinta. Ils ont visité la femme d'Abraham et elle est devenue enceinte. Hanno visitato la moglie di Isacco e lei è rimasta incinta. Ils ont visité la femme de Isaac et elle est tombée enceinte. Hanno visitato la madre di Salomone e lei è rimasta incinta. Ils ont visité la maman de Salomon et elle est devenue enceinte. Dunque erano interventi che facevano e se pensiamo che il gesuita Jean Danielou abbia ragione, potremmo pensare che Gabriele sia stato quello che è intervenuto per far nascere Gesù. Et donc, ils intervenaient comme ça souvent, et si on pense que Jean Danielou a raison, on pourrait penser que Gabriel est celui qui est intervenu pour faire naître Jésus. D'accord. Et Jésus, quindi, era un messia al quale era stata affidata una missione precisa, quella di liberare il popolo d'Israele dalla schiavitù romana. Et donc, Jésus peut être considéré comme un messie qui a eu une mission de libérer le peuple d'Israël de la dictature romaine. Però da questo punto di vista è stato sconfitto perché è stato catturato e condannato. Mais il a échoué parce qu'il a été capturé et condamné. Tu sais que ce que tu nous racontes là, finalement, si on le transpose à des histoires modernes, ce sont des histoires d'abduction. Les mères de tous ces hommes-là auraient été enlevées, inséminées artificiellement et remises chez elles.
Sì, tutto ciò somiglia moltissimo alle storie di abduction dei giorni nostri, ovviamente. Persone, donne che sono rapite, che sono ingravidate, poi eccetera, eccetera. Esatto. E la Bibbia ci parla proprio di interventi precisi a seguito dei quali le donne sono ingravidate. Quindi evidentemente è una pratica che facevano nel passato e se ascoltiamo questi racconti delle abduzioni, pare che continuino a farle. Ben exactement, Toana. Donc, effectivement, c'était, ils pratiquaient ça dans l'ancien temps. Et si on écoute maintenant les récits d'adduction, il paraîtrait qu'ils continuent, quoi. D'accord. Alors, vu qu'on parlait de Jésus, tu sais, on a plusieurs chercheurs en France, dont un qu'on invite régulièrement sur notre chaîne Miasme TV, qui s'appelle André Douzet, qui pense, entre autres, que Jésus n'est pas mort sur la croix, et qu'il a été extradé, on va dire, vers la France pour ensuite y vivre une autre aventure. Est-ce que toi, à travers, encore une fois, tes traductions, tu peux avoir ce genre de, comment dire, de soupçons sur le fait qu'il ne soit pas réellement mort sur la croix? Est-ce que si, au niveau de la traduction, on pourrait laisser entendre qu'il y a eu une autre histoire après? Allora, vabbè, traduco comunque, anche se ha capito tutto. Praticamente loro spesso hanno invitato alla trasmissione un ricercatore, il signor Douzet, non ricordo il nome, André. e sì, che ha dei forti, insomma, forti sospetti sulla storia di Gesù Cristo, come ce la raccontano. Tra l'altro il sospetto che non fosse affatto morto sulla croce, bensì che abbia, diciamo, emigrato dalle parti della Francia, lo sappiamo, insomma, dalle zone poi templari, il sud-ovest, eccetera. Tu hai qualche sospetto su questa cosa? Da dove Anche potrebbe? io penso che non sia morto sulla croce. Che hanno fatto in modo di tirare, gli hanno creato una morte apparente e poi l'hanno tirato giù vivo prima che gli spezzassero le ossa, come facevano normalmente con tutti. Alors lui, il ne pense pas qu'il est mort sur la croix, hein. Il pense qu'ils l'ont retiré juste avant que on lui, avant qu'il ne meure, quoi. Oui, parce qu'il brisait les os. Prego, prego. Non, je précisais qu'il brisait les os. Au crucifié ensuite successivement, et donc ils l'ont peut-être sorti de là avant effectivement qu'il lui brise les os, vu que c'était une mort apparente. Ils ne lui ont pas brisé les os à Quindi Gesù. nel sepolcro lui ci può essere stato anche soltanto un'ora o due, Et dans la sépulture. nel senso che quando le donne vanno a trovarlo il sepolcro è già aperto e lui non c'è più. E per far uscire il corpo hanno dovuto aprirlo il sepolcro, altrimenti il corpo non usciva. Alors, dans la sépulture, il a pu y rester 1 heure ou 2, quoi. Parce que quand les femmes ont été le voir tout de suite après, il n'était déjà plus là. Donc, dans la sépulture. Donc, ça veut dire qu'ils ont dû ouvrir la sépulture pour pouvoir le faire sortir. Dopodiché so che c'è l'ipotesi del fatto che Gesù con la Maddalena e la figlioletta femmina che avevano sia nella zona dove c'è il paese delle Trois-Maries e di lì in avanti poi si sia passati alla dinastia dei Merovingi, eccetera, però per questo non ho prove, ovviamente. Après, une autre Però hypothèse, c'est qu'avec Marie-Madeleine et la fille qu'ils avaient ensemble, ils soient passés en France, dans un village où il y a les trois mairies. Cos'è trois mairies? Les Trois Maries. Les Trois Trois mairies. Maries. Ah, les trois maries. Et ensuite, aurait pu devenir la dynastie des Mérovingiens. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse. Ouais, tout à fait. C'est une hypothèse qui est de plus en plus répandue. D'accord. Est-ce que tu as quand même, tu sens que en Italie, tu commences à être connu, tu commences à avoir plein plein d'amis. Est-ce que tu sens ce souffle qui est derrière toi? Est-ce que ça te donne du courage, de la force pour continuer? Questo soffio, quest'alito, questa spinta, diciamo, di amici, di sostenitori che adesso ormai hai abbondantemente in Italia, la senti, insomma, ti incoraggia, ti. Sì, devo dire che allora quello che faccio è
come dire, molto impegnativo, come potete ben immaginare, dal punto di vista proprio anche mentale, perché le persone mi danno veramente una grandissima forza. Per esempio, insomma, 10 giorni fa io, insomma, è morta mia madre, ho fatto il funerale e siccome le ultime notti ho passato diverse notti in ospedale, il giorno dopo il funerale io avevo una conferenza a Roma. E sono arrivato a Roma stanchissimo. Però appena ho iniziato a parlare, il calore della gente ha fatto sì che io potessi andare avanti per quasi 4 ore. E poi 3 giorni dopo ho fatto una conferenza a Lugano, è successo la stessa cosa. E quindi effettivamente la gente mi dà molto calore e molta forza, ma proprio tanta. Alors oui, ça lui prend beaucoup de temps. Et ça lui prend beaucoup de force mentale également, hein, toutes ses recherches. Par contre, ben, il y a 10 jours, et j'en suis désolé, Mauro, est morte sa maman. Et donc, il a été aux funérailles, mais le lendemain, il avait une conférence à Rome. Il y arrivait extrêmement fatigué. Mais dans la conférence, les gens lui ont donné une telle force qu'il a réussi à la faire pendant 4 heures durant. Et 3 jours après, il a fait une autre conférence à Lugano. Et là, pareil, c'est les gens qui lui donnent la force de continuer, quoi. Mi dispiace per la mamma, non lo sapevo. Grazie. Entendu. Bon, en tout cas, voilà, comme l'a dit tout à l'heure Silvano, on espère te voir en France, nous, très bientôt. Ton dernier livre, donc, hop, c'est celui-ci aux éditions Macrolivre, Il n'y a pas de création dans la Bible. La Genèse nous raconte une autre histoire. Donc, c'est un livre qui est sorti au mois d'octobre ou de novembre. Octobre, mi-octobre. Voilà. Moi, j'avais une ultima question. Une ultima question. Une ultima question, mi piace. Est-ce que tu connais. Est-ce que tu connais ce fumetti? Lo conosci? Sì. C'est Martin Mystère. Alors, est-ce que tu connais Martin Mystère? Non, lo conosco a fondo, ma ne ho letto. Sì, sì, certo, certo. Oui, il les connaît. Il n'en a pas lu, mais il les connaît. Parce qu'en Italie, c'est pas... Tu en as lu, ne hai letto qualcuno? Sì, 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 ne ho letti, certo. Ah, il n'en a lu che cosa? Il ne connaît pas le fumettiste, mais il... Enfin, comment on dit, le fumettiste? Le dessinateur. La bande dessinée. Pourquoi cette question, monsieur Antoine? Pourquoi? Parce que je trouve que Mauro Biglino ferait un très bon personnage de bande dessinée et ses recherches s'inscrivent vraiment dans les enquêtes de ce fameux Martin Mystère, où ça donnerait vraiment des histoires extraordinaires. Et aussi, pour pouvoir faire une transition, il y a 6 bandes dessinées, c'est ça, qui sont éditées en Italie et pas encore en France. Oui. Che tu hai, Silvano? Oui, bien. Allora, prima di tutto ha detto che saresti un perfetto personaggio per le storie di Martin Mystère, e ovviamente, perché rientra anche molto nelle cose che fai, insomma, in questo tipo, certo, di... Certo, certo, certo. E poi, vabbè, accennata al fumetto, ovviamente, che è uscito purtroppo solo in Italia. Non, sì. non sono 6, sono un po' di più. Sono 10. Sono 10. 10. Ah, che momento. 10. Non so se non inquadrate, ma questo è il primo. Oui. E lui, voilà. Ce n'è una colore anche. E questo? Che non ce l'ho sotto mano. Ce l'ho io. Sì, ouais. Sì. Ma te non si vede niente. On n'y voit rien. Et toi, on voit rien. Io ce l'ho di là, perché l'avevo letto. Pazienza. Alors, est-ce qu'ils vont sortir en français, ces bandes dessinées? Questo è l'ultimo. Ma per ora chiedono se uscirà in francese, ma so che non se ne sa niente per ora. Per il momento, per quanto riguarda le altre lingue, ci stiamo dedicando soprattutto ai libri, però sì. Non è escluso che esca anche in francese. D'accord. D'abord, priorité au livre, hein, d'après ce qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas exclu qu'ils sortent également les bandes dessinées en français. Mais bon, il y a très peu de texte, donc ce serait sympa que... C'est... Les bandes dessinées, c'est Mauro qui a écrit les scénarios? C'est tout qui a écrit
che hai scritto diciamo i dialoghi? Sì, io con il fumettista, anche il fumettista è sceneggiatore, quindi l'abbiamo fatto assieme. Oui, ils les ont fait ensemble. Tout à fait. D'accord. Et le dessinateur, qui est-ce? Ils l'ont fait ensemble, c'est un scénario. Comment s'appelle quello che fa i disegni? Rontini, come dico? Rontini. Riccardo Rontini. Riccardo Rontini. Bei disegni. Entendu. Ça sera mon prochain achat, ça, messieurs, dames. Sì, sì, perché i Martin Mister sono io che le compro a Antoine, lui vuole... Ok, capito. Sì. Quindi adesso devo comprare le Elohim in italiano per Antoine. E après tu lui traduis. Sì. Non, il n'y a pas beaucoup de choses écrites, hein. Non. C'est assez bien, oui. C'est ce qu'on va faire. On va finir par la monter, notre maison d'édition, Silvano. Ok, en tout cas, Mauro, merci mille fois, grazie mille d'être venu sur Miasme TV nous parler de tout ton travail, de toutes tes recherches. J'espère que ça va durer encore très très longtemps et que tu vas pouvoir continuer à nous ouvrir les yeux, à nous déciler pendant encore très très longtemps. Hai capito tutto, vero? Sì, sì, grazie, grazie. Anch'io spero che vada molto avanti, sì, certo, grazie. Sì. Ah. Grazie Mauro per quello. Grazie davvero a tutti voi che mi avete chiamato, siete stati veramente gentili. Grazie dell'interesse per il mio lavoro e magari speriamo veramente di vederci in Francia. Eh sì, proviamo questo. Je viens moi aussi. Alors Mauro nous remercie de la gentillesse avec laquelle on l'a accueilli et puis il espère vraiment nous voir et qui est venir en France. Et Catherine, qu'on n'avait pas précisé, habite à Rome. Donc c'est une Française qui s'est expatriée, qui a immigré en Italie. Elle habite à Rome, c'est pour ça qu'elle a un parfait accent italien. Elle fait comme Jésus-Christ. Elle a fait comme Jésus-Christ. Et donc elle aussi, elle veut venir en France. Donc on va essayer d'organiser ça, mon cher Antoine. Hein? Entendu. Voilà. Eh bien, merci tout le monde et puis je vous dis à très bientôt sur Miasme TV.